plus la musique. En plus, c'est des traces de sang. Non. Non. Est-ce que je regarde en haut? Je vais juste pas parler sur ces séquences, juste pour être sûr et certain de ne pas tomber. Je m'attendais tellement à, je dirais à pire, mais non, c'était déjà assez comme ça. Ok. Ah. Ok, je pensais que ça continuait. Attends, y'a un mur invisible? Ok. Puisque, bien entendu, c'était pas fini, hein. Trop beau pour être vrai. C'est pas exactement la même chose? Du moins, ça semble être la même chose. Mais il y a un coffre. Je remonte ici. On va essayer. Non. Ok, pourquoi le premier coup ça a bien été et le deuxième ça va pas? Je sais pourquoi. C'est parce que je suis en train de pas. Ah bah arrête de parler. Bien, concentre-toi. Parle pas. Petite minute de silence. Concentration totale. Ok, finalement, je pense que de parler ou de ne pas parler, ça ne change pas grand-chose. Concentré que je suis en ce moment. Et j'ai envie de tester, genre de sauter de l'autre côté pour aller chercher le coffre. Est-ce qu'il y a vraiment comme un mur invisible que je peux pas traverser? Semble-t-il que oui. Ok. Je sais pas si c'est un troll. Si en gros faut que je monte plusieurs fois la tour jusqu'à temps que j'arrive au coffre. Je pense que oui. Hein. En même temps, j'ai peur de refaire exactement la même chose non-stop. La musique est juste en train de complètement lobotomiser mon cerveau. C'est genre jouer avec ma patience. C'est genre, oui, on va te mettre une musique non-stop. On va essayer de te faire comprendre la vie, de te faire monter une montagne, du moins escalader tes poteaux, tes poutres, non-stop, jusqu'à temps que ton cerveau explose. Quand ton cerveau va exploser, on va s'en servir pour faire des tests. Et on va tellement faire de tests avec ton cerveau que je te dis, il va être complètement en compote. Littéralement en compote. This is a family-friendly mod. Ouais. Je suis pas trop sûr en ce moment que j'ai vraiment envie de le refaire encore une autre fois. Est-ce qu'on le refait encore une autre fois? Le coffre est tout le temps au même endroit. Mais quand même, est-ce qu'on peut?
Je le fais encore deux fois, puis après j'abandonne. Je pense que... De toute façon, on a pris la... Il doit avoir quand même quelque chose que... Il doit avoir quelque chose. Parce qu'il n'y aurait pas mis une sortie en haut. Je sais pas pourquoi. Je suis vraiment perplexe de savoir si c'est le cas ou non, ou si c'est juste moi qui est en train de perdre mon temps à le faire. Parce que je me souviens plus si au départ il y avait un mur invisible ou non. Le coffre est toujours au même endroit. Donc littéralement, je pense que c'est toujours pareil. Si on quitte et on revient, est-ce que le coffre est au premier étage ou non? Si le coffre n'est pas au premier étage, ça veut dire que qu'est-ce qu'on faisait avait un sens. Si jamais le coffre est là, ça veut dire que ça avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens ce que j'étais en train de faire, c'était une grande perte de temps. Donc... Ça c'est un carte qui est déraillé. Pas très sympathique tout ça. Et ça c'est la grande roue. On peut sûrement monter. À l'intérieur. Pour pouvoir monter. Ah, une plateforme si je l'avais pas vu. Je vois trop les souliers, ça va à quoi? Pareil dans mes pattes. Ah, attends, peut-être pour faire ça. Et Jinjo en dessous. Ok. Je le prends en considération, le petit Jinjo. Oh merde. Ça passe. Ça passe. Spang bang, on baranda down down. Je vais aller chercher le Jinjo de cette façon. C'est facile ici, hein. Ah merde! Je l'ai pas tombé aussi raidement. Ah! Finalement, j'avais besoin des souliers pour courir plus vite parce que je vais pas pouvoir me rendre jusqu'à là-bas. On va aller chercher. On va falloir juste descendre d'une bonne façon. Ah, je pensais que j'étais correct. Tu les souliers peut-être quelque part ici. C'est juste ceux qui sont... Ouais. Peut-être qu'on a le temps d'y aller à la course, mais... Ça me tente pas de comment dire... Perdre le temps de l'essayer que ça fonctionne pas. Et selon moi, c'est, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Avec le seul challenge, c'est vraiment de descendre sans se prendre des dégâts. Bon. Oh, c'est bon, j'ai compris. Là, on devrait avoir le temps. Et... Oui. C'est vraiment la musique des Ponants, en plus que je pense mettre la course des Ponants.
Bon, si on va au milieu. Ah, ça, je sens que ça va être plaisant, c'est le genre de saut qu'il va falloir sauter dans le vide. Ça, j'aime bien. À cause que la lumière bouge comme ça, j'ai l'impression que c'est la lumière qui... C'est pas la lumière qui bouge, mais c'est l'échelle qui bouge. C'est assez spécial comme effet. Mais c'est pas l'échelle qui bouge, c'est... Ok, mais on monte à l'infini, ou... C'est quand même assez haut. Bonjour. Oui. Donc vous voulez que je saute en bas. Vous attendrez de me dire que... c'est une bonne idée. On va y aller comme ça, hein. Sérieux, il faut vraiment que je rentre là-dedans. Bon, bah, on va remonter, hein. Toute une aventure, hein. Ah, yeah, yeah. Pourquoi il y a un enfant qui est en train de nous crier dessus? Je peux vous transférer. Il dit bonne chance à vous deux. Ah, oui. Ah, merci, Link. C'est Zelda, Banjo. Qu'est-ce que tu es en train d'expliquer? Pourquoi tu dis de la merde? Bon. Prise numéro 2. Je pense que j'y vais en mode YOLO. Réussi, mode YOLO. Mode YOLO. C'était quand même limite de se péter complètement la gueule, mais on l'a eu, on l'a eu. Toujours les chauves-souris. Au revoir les chauves-souris. Là, est-ce qu'on peut monter? Oui, dans cette fameuse... montagne russe, qui a l'air d'être en moitié une. Out of order. Donc, elle est hors service. Sûrement de l'autre côté, je vais y aller en premier. On peut monter ici, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Non. Mais ça reste cool. Ok, en gros, c'est juste que les fantômes doivent pas nous toucher. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Ah, le show était quand même assez chouette à prendre. Petit Jinjo de prix. Ça ici avait la grande roue. Ça c'était le truc qui activait l'étoile. Donc pas tant besoin. Par la suite, il y a deux tentes ici. Ah, bonjour la TNT. Je crois pas que c'était les chouilles qui étaient là. Oh, qui se casse la tête. Là, normalement, le niveau qu'on est... Est-ce qu'on est dans Hyrule? Je sais pas si c'est considéré comme Hyrule, ça. Kokiri Forest, Kakariko... Castle Town... Je pense que c'est considéré comme dans Hyrule, fait que normalement les Jinjo que je suis en train de prendre, normalement je les parle pas. Logiquement. Et là ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire ici, puisque j'ai tout fait, ça c'est fait, ça c'est fait. À moins qu'il y ait peut-être un truc ici en haut. J'ai envie de le tester. Arrête de me faire chier. Merci. Je me doutais peut-être qu'il y allait avoir ici en haut. Avant de rentrer, je check ici. Prendre de Mambo ici. Et comme bon comme. Et par la suite, il y a un petit coffre ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Jim Grundy qui dit « Ferme la console, qui veut jouer un jeu aussi nul que celui-là? » Wow. On va se calmer quand même. Moi, je l'aime bien. On continue d'y jouer, hein.
Finalement, mais peut-être que le dernier Jinjo, l'orange, doit être quelque part ici, hein. J'essaie de savoir où. Petit Jinjo, où te caches-tu? Sûrement dans le coffre. Mais comment passer à travers le coffre? Ça, c'est la question. Et ça, ici, y'a rien. C'est le déraillement de rail. C'est ça, c'est de l'autre côté. Il n'y a aucune façon de traverser. Mes œufs, ils passent. Juste confirmer un petit truc par rapport au coffre, je sais vraiment pas trop pourquoi. Je veux pas trop non plus regarder, mais je voulais juste regarder un petit truc en particulier pour découvrir le reste et tout ça. C'est que je voulais pas quitter pour voir si c'était le Jinjo qui était peut-être dans le coffre et tout ça, puis de chercher par la suite. Mais juste regarder, puis j'ai compris qu'on peut quitter à l'extérieur sans avoir trop de problèmes. Pour arriver au dernier qui est tout simplement un Jinjo qui est caché plus loin. Il me semble que je pense que c'est ici qu'il est caché. Et par la suite, on va pouvoir juste explorer peut-être une certaine petite partie du niveau. Voilà, le Jinjo orange ici. Et voilà. Donc en gros, c'était pas très très complexe dans tout ça. Mais... Oh, je sais pas pourquoi il est Banjo comme sorti de l'eau pour rentrer dans l'eau. Il y a une porte ici qui est bloquée et qui est demandée à combien cette fois-ci? 450? Je suis à 395. Ok, donc on va pouvoir se rendre ici à un emplacement à un moment donné quand on va pouvoir s'y rendre. Je sais vraiment pas trop vers où ça mène. Mais c'est bon à savoir quand même là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être quand c'était la nuit ou non? Je pense que non. Donc là on peut juste re-switch jour et la nuit. Avec cette musique est beaucoup plus sympathique et heureuse. Et on va se rendre vers le lac Ilia. Et par la suite, je vais juste arrêter quand on va être rendu à l'emplacement. Si je vois qu'il y a des notes directement en partant dès que je rouvre la porte, je vais laisser ce temps en stand-by et ce sera pour le prochain enregistrement. On avance quand même assez bien. Il y a des moments qu'on bloque un peu et tout ça, mais je pense que dans l'ensemble, ça avance. Donc la porte qui est déjà ouverte, est-ce que on va voir des notes? Non, il n'y a pas de notes tout de suite. Donc on va juste prendre en considération qu'on va avancer par ici jusqu'à temps que je vois des notes. Si je vois que je commence à avoir des notes, je vais prendre en considération un gros drop de FPS. On rush un peu plus. Ok, j'ai essayé de tout esquiver, c'était vraiment joli. Pam pam para para. Ah oui, il y a un crabe dans l'eau. Ici, on peut faire activer quelque chose. Non, il n'y a pas les petits grenouilles, quelque chose. Ah oui, les autres, je les aimerais vraiment pas, les clams. Je sais pas s'il y a quelque chose de l'autre côté. J'ai envie de tester juste de voir. Ta-dam. Hop. Donc, ça soit peut-être par ici non plus. Vraiment, les musiques, elles restent en tête, mais une bonne tête. Ça, est-ce que je peux faire ça comme ça? Voilà. C'est tellement pas nécessaire que je pète la gueule à cette liane. Et pour la prospérité, il faudrait que je la fasse. Je sais pas s'il y a quelque chose de caché peut-être de l'autre côté. Bon. Touch my knee this time and you'll be sorry. Oui, excusez-moi. Excusez-moi, Madame Larue, de vous avoir tapé, mais. Importance capitale. Pam, 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 pam. Il y a vraiment des abeilles partout. Hein. Merci, vous les abeilles. Merci.
Attention, il y a une porte qui barre. Et c'est le Zora Domain. Who's down for some Smash Bros after? Il y a Ganon qui est trop trop hypé d'aller jouer. Hein. En parlant de Super Smash Bros. Hein. Et non, Grunty n'est pas un personnage joué dans... dans le jeu. Ah, c'est quoi, il voulait pas mettre Grunty parce qu'il disait qu'elle est trop overpowered. Hein. Ah oui, logique. Vraiment, les petites références et tout ça, ça me fait vraiment trop délirer. Hein. Ah, ça veut dire qu'il faut chier des œufs. C'est quand même bien pensé de faire cette technique de chiage 2. Hein. C'est quand même drôle à dire. Cette tactique de chiage 2. Poétique, Mad Bob. Poétique en soi. Donc là, le Zora Domain est barré. C'est pas pratique. Parce que c'est un peu là que je voulais me rendre. Et c'est en gros, faut que je trouve l'emplacement que je peux débloquer tout ça. Hein. Je peux nager sous l'eau, oui. Ah bon, je peux nager, mais pendant un laps de temps très très court. Donc là, le but c'est de trouver l'emplacement que je peux débloquer le Zora Domain. Maintenant, c'est de savoir où. C'est ce que je sais pas. Oh, Banjo, merci. Par ici. Ok. Je sais qu'il y a une rush ici. C'est peut-être une rush qui veut tout signifier. C'est peut-être une rush qui ne veut rien dire. Ah ah! Smart! Trop fort! Trouver des trucs. Vraiment, c'est pas fait pour n'importe quel enfant, hein, aujourd'hui. Bon, la musique est un peu plantée. Allez, le Zora Domain va être ouvert et on va se rendre jusqu'au Zora Domain et par la suite, je vais arrêter ici. Et on va pouvoir rentrer dans le domaine Zora. Et ici, un petit chemin. À moins que c'est juste décoratif. Tu sais que des fois il y a des trucs que je me dis vraiment genre ouais, il y a un emplacement, c'est vraiment pour avoir tel genre de truc. Mais des fois c'est juste, c'est décoratif. C'est vraiment là juste pour... juste pour faire parler. Bon, on va se rendre jusqu'au domaine. Et par la suite je vais arrêter la vidéo. Et le pire c'est que j'y pensais entre temps, c'est que je sais qu'il annonçait des orages aujourd'hui, pendant mon tournage. Et littéralement, je me croisais les doigts juste pour pas que, qu'il arrive de problème ou n'importe quoi. Et là, j'aime le fait que je vienne me le jinx. J'ai pas envie que, juste en arrivant, si jamais... c'est pas le cas, de toute façon, si vous voyez cette vidéo, c'est vraiment pas le cas. Mais si c'est le cas, sérieusement, je m'en veux à plus finir. Parce que ça fait quand même un bon 3 heures de tournage que je fais de mon côté. Et vraiment, je vois vraiment pas le temps passer, littéralement. Je sais qu'il y a eu quelques petites séquences que je prenais le temps de regarder qu'est-ce qui se passait et tout ça pour savoir qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Mais bon. Oh. Ah, la petite musique relaxante, ça va faire du bien. C'est joli. Ouais. Je sens que j'ai aimé cet endroit. J'adore en plus le domaine Zora. Bref, tout ça pour vous dire que on arrête ici. On va se revoir pour le domaine Zora. Je pense qu'on avance quand même assez bien. J'ai bien hâte de voir la suite et tout ça. J'espère que vous attendez quand même aussi la suite et tout ça. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!